Et le match qui se lance. Le match se lance. Alors, on a beaucoup rêvé sur Stéliotrope, non? Ouais, et on joue un mode de Ephedria sur le groupe. C'est un mode multi avec une Dofusteuse. Oh, what c'est, the quoi fuck ça c'est quoi ça? C'est un peu chimique, mais pourquoi pas. Et donc, un Héliotank ainsi qu'un Panda Wafeu, on avait plutôt raison. Et en face, on a un Yop. Kobio. C'est un Yop O, ça? Un Yop O, Kobio. Pas ce qu'il joue, mais un Yop O, hein. Il a la certitude. Au croco avec un Eka. Terre. Et un Steamer hors pompe. Ouais, avec la Dofusteuse aussi. On a deux Dofusteuses dans ce combat. Une de chaque côté. Ouais, alors le roublard comme ça, c'est un mode de 1v1 qui me semble cool pour faire du one shot, mais je suis pas trop certaine. Il vient de se faire chier l'utile. Contre le mur et tout, bite ta clé. Allez, amuse-toi bien. À mon avis, ils ont sans doute envie de one-shot T2 avec la Dofusteuse. Ouais, c'était, ouais, c'est ça. C'était en deuxième. Ouais, il me semble. Pas mal. Pas mal. C'est les bombes qui font le plus de dégâts, les bombes terre. Effectivement. Et ouais, et du coup, bah, on met deux bombes. Ah, on en casse match une. Une petite bombe collante, on va vouloir faire une grosse explosion, ça va être marrant. Et en plus, qu'est-ce qu'on a sur les cas? Bah on n'a pas de rester, hein. Le 18%, ouh, le truc, j'avais pas vu. Pas trop, recule. En plus, il a 4000 PMAX, mais qu'est-ce qu'il a comme stuff? Un stuff ultra agressif, non? C'est un stuff terre, il me semble, mais je suis pas sûr. Non, c'est un stuff... C'est un stuff... Oh! Mais je comprends pas son mode du tout. Yao, ça existe? Ouais, ça existe, mais c'est très bizarre. Pourquoi pas? Ça teste des trucs. Ça profite du PJU pour tester des trucs, c'est beau. C'est ça qui est bien. Ok, avec... Ouais, clairement. Avec le panda, bah... Tu peux juste te faire plaisir et ramener les cas, et il est mort, hein. Il y a aucun monde où il meurt pas, hein. Il y a l'Hélio, quand même. Bah, en fait, l'Hélio, il va s'occuper de... Du steamer, de l'éloigner, j'imagine. Même pas, le panda ouais, le fait. Le panda qui a attaqué les deux. Il était pas mal le tour, hein, du panda. Bon, il a pas mis de dégâts, mais. Non, un bon tour de placement, on aime bien. Et double perso haut, c'est trop bizarre. Est-ce qu'on va pas duel directement sur ce roublard pour pas qu'il. Pour limiter un peu son jeu? En tout cas, on lui fonce dessus, et il a raison, hein, on a 19% haut. Et on a double perso en face, attention. Alors, du côté de l'Hélio, justement, voilà. Alors, c'est surprenant. Il a combien contraction, de PO tiens donc. Il a combien de PO sur ses bombes le... Il peut en poser une derrière l'Hélio, hein, derrière l'Eka là. Là, non. Ok. Peut-être en faisant des déplacements, je sais pas trop comment, mais... Okay, ça éloigne le Yop. Libère interruption, c'est parfait, le tour est très clean. On est en PVM. Il peut même pas. Oh, ça... Si, il peut s'aspi sur ça. Ouais, là, on a envie de. 6 PO les bombes, ok, merci, fan de clean droit. Je retiens, c'est comme l'embuscade. Ouais, c'est ça. Ok, l'embuscade, justement, qui passe bien, on a des restes sur ce panda ou pas? On n'a pas trop de raise et on n'est pas en picole. On a surtout pas picole, hein, c'est ça qui va faire la diff. Est-ce que Diffuse va avoir un tour? On a les bombes état 3, on a les toupies avec donc 17 PA. Attends, on me dit OS du Nidas T2. Alors attends, parce que le Nidas il a pas 4000 PV et 18%. Quoique aussi. Peut-être. Dernier souffle derrière la petite botte. Ok. Il a presque même pas besoin d'exploser. L'aimantation et on fait exploser, non? Ouais. On va faire exploser avec la méga bombe. Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu de dégâts avant? C'est je totalement pense pas. Kill, hein. Il a même pas besoin, je pense. Et là, bah, c'est bye bye, les caflips, hein. Et voilà, les 19% de terre qui ne paye pas. Pour Oscar976 dans le chat, c'est pas des qualtests. Le qualtest, c'est juste pour dire Montilier.
Le chacha, c'est pour dire familier. Le qualtès, c'est pour dire montilier. Mais vu qu'il y a des objets d'apparat, en fait, on peut pas vous mettre le vrai montilier parce que ça serait cheaté. Parce que les joueurs n'ont pas accès à cette information, on peut pas vous l'afficher sur l'overlay. Donc c'est juste pour dire montilier. Voilà. Il a un montilier, mais on peut pas vous mettre lequel sur l'overlay. Voilà. Et bon, comme prévu, hein, le kill T2. Et ça kill la foreuse en plus. C'est aucun respect là. Il en laisse aucune chance. C'est de l'humiliation là, vraiment. En plus, le Yop qui se fait prendre à son propre duel. J'allais dire, ils sont même pas pris un coup. Si. Il y a quand même une embuscade sur le panda. Ouh, mais attends, mais ce panda il prend cher quand même. Bon. Ça va pas retourner la game, on est d'accord. Non, non, ça va pas retourner la game. Mais le panda est quand même pas si bien que ça. Bon, le steamer va se refaire bisu. Ouais, et puis on va pouvoir tranquillement ramener ce. Ouais, il n'y a pas besoin de ramener ce steam parce que de toute manière il joue juste derrière. Le steamer il pouvait assistance Reka, ça le sauvait peut-être. Alors en vrai, ça le sauvait peut-être aussi. Hein. Il était pesanteur en plus, mais oui, c'est vrai. Oh, il y a eu un petit fail. On voulait tèche le steam visiblement. Mais on n'avait pas la redi. Aïe aïe, catastrophique, mais dis-moi tout dans le chat. C'est lui-même, hein, donc il a le droit de critiquer. En face, c'est dit. Non, parce que nous mettre 25 tours parfaits à la suite, j'aurais explosé de rire, mais ça va. Ça va, ils en ont raté un hein, quand même. Non, ils sont bons joueurs, en fait. Ils sont bons joueurs. En fait, le panda qui se fait quand même maltraiter. Hein. Ouais, le panda qui est un peu mal, mais il va pouvoir picole, fermente, faire un peu de placement. Là, il joue les deux à la suite. C'est chill. Attention tout de même, parce que on n'a pas énormément d'HP sur le roublard non plus. Étant donné qu'on est parti avec 10% de raise all. Là, c'est un petit mur, on tape un peu ce steam. C'est des petits dégâts, c'est toujours ça de prix. Et surtout le steamer qui est bien bloqué dans le mur. Hein. Encore plus si le Yop se retrouve dans la seule case qui peut lui permettre de sortir. Non, ok, on passe à l'autre. Il faut absolument virer le Yop. Ah oui, c'est vrai que le panda est pas bien. Ouais. Et ouais, et se barrer nous aussi. Le barrer, il va pas se barrer très long, 2 PM. Ouais, mais on va quand même tacler ce Yop. Et il est pas pesanteur. Il y a 13 PM. Oui. Aïe. Oh là là, la ça... catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Oh la catastrophe. Aïe, du coup, ça passe souvent. Oh aïe. Non, là c'est fini. Il aurait pu aller entre les deux, ça aurait été vraiment pixel perfect, il croquait sa double croco. Ouais, ou même juste libérer le Wasta contre le panda. Ouais. À côté du panda. Et du coup, ça concède. Pas bien joué à. Ici, Japon Corp. Ici, Japon Corp. Ils sont bourrés. Non, c'est le panda qui est bourré normalement. Hein. C'est. Non, mais c'est pas mal. Héliotrope.